Kimia ya Nkolo Yesu Kristo ezala na moko na moko. Kina peine Jesu Kristo. Yesu Kristo pambola yo. Ke Jesu Kristo pebeleza. Suki tuzui tango yo ezalinge na Nkolo na Zambe. Si nous avons reçu ce moment, c'est par la grâce du Seigneur. Ezala mulungu na ye. C'est par son amour. Thank you.
vit éternellement. C'est lui qui est le véritable vainqueur. Et Dieu vous bénisse. Sa mère Pambola Binon. Mon cœur est tellement dans la joie. L'autre Zalie, le 8 décembre 2021. Aujourd'hui nous sommes le 8 décembre 2021. Et c'est nous pour Zambé à souligner mes titres comme l'élo d'enseignement à bisous sur le Seigneur. Là, je suis joyeux parce que le Seigneur nous a assistés jusqu'au jour d'aujourd'hui dans notre enseignement. Et lui, c'est la 70e intervention. Aujourd'hui, c'est notre 70e intervention. Avant d'attendre sur les sauts. Et puis que nous avions commencé sur cet enseignement, le Seigneur a dit ce qu'il m'a révélé par sa grâce. Le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses par sa grâce. Il faut prendre du temps et à cause d'autres. Enseignement de les écouter encore une fois. Voyons ça aux ongles. Donc écoutez encore pour la salle. Moi, tel que je suis là, j'écoute encore plus les enseignements que je prêche. Parce que Bible le qui verse ton enseignement, c'est toi-même. Oui, t'es oublié le bac qui s'est, c'est là, Nicolas, ni la qui s'en a eu, Pélicolo n'a eu encore. Dans vos hôtels, il faut y aucun appel et la qui s'en a mal. Lorsque tu prêches, tu dois avoir aussi l'habitude d'écouter tes propres enseignements. Et en faisant cela, tu vas comprendre encore beaucoup d'autres choses. Applique cela et tu verras l'assistance du Seigneur. La répétition est vraiment sanitaire. Dans les Écritures saintes. Quel que soit le combat qu'il y a l'ennemi a été dans votre tout au long et enseignement. Quel que soit le combat que l'ennemi avait apporté tout au long de cet enseignement. Parce que l'ennemi a été gâté pour enseigner la parole. Parce que l'ennemi n'aime pas que nous enseignions la parole. Et ceux qui doivent enseigner, ils allaient grâce de Dieu. Mais si nous l'enseignons, c'est la grâce du Seigneur. Ils allaient miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde du Seigneur. Mais ça dit que tu as enseigné la parole. Qui a fait que nous enseignions la parole. Et c'est pourquoi tous les besoins de cette union sont gloire et par ça. C'est pourquoi en tout temps nous lui rendons la gloire. Il n'est pas que au côté qui n'a pas d'enseignement, il est dit que aux autres n'ont pas de côté qui te dit. Sache que tu es entré dans cet enseignement et tu ne sortiras pas du mal que tu es entré. L'intelligence non spirituelle, il faut moi bien dans ma compagnie. Dans l'intelligence spirituelle, c'est ouverte dans beaucoup de choses. Oui, aux âmes, ça y en a beaucoup et gros ça. Ce que le Seigneur a fait, l'argent ne peut le faire. Et moi, un homme, je ne pourrais le faire. C'est Dieu qui peut le faire. Et moi aussi, le Seigneur m'a ouvert l'intelligence de ce jour. Nous tous, nous avons les regards fixés vers la parole de Dieu n'a pas de frontière. Donc, Dieu a la profondeur. Le Seigneur a la profondeur. La hauteur. La largeur et la longueur. La largeur et la longueur. C'est dans son amour. Et ça n'est pas quand il y a mon imonarié. Oui, parce que tant que Zambé a zana moussala na katinayo. Il faut savoir que quand Dieu est dans les services dans ta vie, il faut la misère de la nécessité. Il faut qu'il puisse te montrer la voie que tu devras suivre. Dans un texte, la mission. Nous prenons notre texte. Apocalypse 8, le verset 1er. Quand il ouvrit le septième sceau, tant que Afonola qui dans dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. On a dans les colons qui n'y a encore écouté qui perdait à Bonga Dambo. Que Dieu bénisse les dieux. Amen. Oui, les autres vont me maintenant aussi, on est presque. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire une petite révision sur tous les sceaux par la grâce de Dieu. On avait d'abord montré au début dans Apocalypse 5 que les livres allaient qui scellés. Beaucoup et cela qui a contaminé. Maintenant, Totalis est ce qui va présenter les livres scellés.
pour savoir quand est-ce que ces livres étaient ouverts. Et pourquoi également. Et pourquoi ces livres étaient fermés au Seigneur. Et ceux qui peuvent comprendre pourquoi également. Qui, si nous comprenons pourquoi les livres étaient scellés. Et qu'on facilite les choses sous son maintenant dans les enfants. Et cela va nous faciliter à comprendre lorsque le livre sera ouvert. Pour définir ce qui peut le livre. On avait aussi défini c'est quoi le livre. Tout tambour là qui. On avait marché dans la parole du Seigneur. Nakata ni no bankolo. Toujours qui témoignage. On avait pris des témoignages de cette écriture. Des écritures de Dieu. Yama komi ensemble. Toujours qui na nakata ko tambour là na biso. On avait pris d'abord dans notre marche l'écriture. Il y a Exode. L'écriture d'Exode. Tant on voit qu'Exode. Lorsque nous avons pris Exode. Dans cette position Exode 19. On avait parlé de la position d'Exode 19. Et puis position Exode 24. Et puis celle d'Exode 24. C'est comme ça que tout le temps là. C'est comme ça que nous avions marché. Mais la tête à votre temps pour la voir. Mais dans notre démarche ou dans notre marche. Qu'on voit qui est l'obéir à livre. Na lolenge oyo nzamba zalaki ko répéter makambo. Et la manière dont le Seigneur répétait les choses. Parce que nous avons pris Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Parce que nous avons pris Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Et le dit autrefois. Na kala. De plusieurs manières. Na lolenge qui venait. De plusieurs reprises. Na kupale la ta ebele. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Sande a lobela batata. La chose que nous avions plus besoin. Plusieurs manières. Balolenge ebele. Plusieurs reprises. Na kobande la kape ebele. Donc Zanga bozala neloko alobeli miti awa jardin d'Eden. Donc le Seigneur peut parler au début du jardin d'Eden. Azongeli yango alobeli yango na lolenge msusu. Et puis il reprend le jardin d'Eden sous une autre manière. Yango tozwa kina Adam. C'est pourquoi nous avions commencé par prendre. Lorsque nous avions pris Adam, on avait montré ceci. Le Seigneur a fait le jardin d'Eden. Et puis a sali Adam. Et puis il a formé Adam. A mis Adam à contenir dans le jardin d'Eden. Après, il a amené Adam et l'a fait entrer dans le jardin d'Eden. Aïe a répété le mouvement. Il est venu répéter ce même mouvement. Vous voyez que Genèse 12. On avait pris Genèse 12. Le Seigneur a dit à Abraham, à partir du verset 1er, quitte ton pays, ta patrie, va dans les pays que je te montrerai. Tout le monde peut Abraham à Zouka, ici comme encore. On a vu Abraham provenir d'un lieu pour se rendre vers un pays. C'est la manière dont il avait pris Adam. À savoir qu'il jardin d'Adam. Il avait fait le jardin. A amené Adam jusqu'au jardin d'Adam. Et il a amené Adam jusqu'au jardin d'Eden. Maintenant, tu as vu comment on a dit Abraham. Maintenant, répétition d'Adam. On était allé voir que Abraham est la répétition d'Adam. Nao et Dali héritage. En ce qui concerne l'héritage, du coup là, le monde a été promis. Et puis ça m'a dit pas Adam. Donc, mon qui le pèsama qui le coule à l'époule à Adam. Et dans quoi quoi? Et lorsque Adam est ouvert, ça m'a pèsa aussi et pas à Abraham. Le Seigneur l'a donné aussi un héritage à Abraham. Là, tout ce qui Romains 4. Là, nous allons pris Romains chapitre 4. Dans verset 13. Au verset 13. Et le B, l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. L'époule à Yakoum. Et la kama na bala ma na bokita na ye. Maintenant, ton dimisa ki ke ma bele o zamba pesa ki Abraham eza jardin d'Eden. Maintenant, on avait prouvé que la terre que le Seigneur avait remise à Abraham était le jardin d'Eden. Pouzoa ki ma langage o zamba ye mo kazo utilise. On avait pris les langages que Dieu lui-même utilisait. Pouzoa ki na Ezekiel. On avait pris dans Ezekiel. Tant ton tant ki Ezekiel na kati na koloba na biso. Lorsqu'on avait lu Ezekiel.
dans Ézéchiel chapitre 31. Dans Ézéchiel chapitre 31. Awa tozwaki pona prouver que mabele oyo Nzambe apesaki Abraham. Ici on avait pris pour prouver que la terre que le Seigneur avait donnée à Abraham. Les répétitions du jardin d'Eden. N'est que la répétition du jardin d'Eden. Tozwaki verset 24. On avait pris le verset 24. Ézéchiel chapitre 31, le verset 24. Ézéchiel 31, le verset 24. Nous entendons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide. Zambé Axou Abissou. Non, 32. 32, 24, au lieu de 31. Ézéchiel 32, 24. Awa tout le monde qui va zone bela pays ya Perse. Ici on avait vu qu'on était en train de nous parler de royaume de Perse. Ya moné Elam. C'est ce qu'on appelle autrement aussi Elam. Donc métis capitalisé ni mabé baba Congo Kinshasa. Non, c'est comme on dit Congo Kinshasa. Bazota lisa comment ba puissante nation bazalaki ko attaquer Israël. On nous montre comment les puissantes nations attaquaient Israël. Et même Babila Israël. Mais la terre d'Israël. Mais on l'appelle aussi pays des vivants. Mboka Yamadobomoui. Yamototama verset 24. C'est pourquoi nous lisons le verset 24. Et Ézéchiel 32. Ézéchiel 32. Là et Elam. Wanani Elam. Avec toute sa multitude. Na Moïkele. Autour et son sépulcre. Et Dinga Ezali Kundana. Sont tombés par l'épée. Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre. Et qui répandaient la terre dans les pays des vivants. Aux yeux verset 25 aussi. Le verset 25. Balobé est toujours pays des vivants. On parle encore du pays des vivants à l'intérieur. Aux yeux, verset 26. Le verset 26. Balobé est pays des vivants. On répond encore le pays des vivants. C'est le langage que le Seigneur a dit au pays de Mabéla, Bézé, Abraham. C'est le langage que le Seigneur a appelé autrement la terre qu'il avait donnée à Abraham. Or, pays des vivants. Or, le pays des vivants. Ils allaient jardin d'Eden. C'est le jardin d'Eden. Ce qui, au couffre, si tu meurs, donc si tu meurs dans ces pays-là, on doit te chasser hors de ces pays. Le bon le Seigneur a dit ça qui Adam. Comme le Seigneur avait dit à Adam. Et ce le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans Aliak. Et lorsqu'il en mangea, effectivement, à Koufak. Effectivement, Adam était mort. Il est aussi la moisson. Lui, ainsi que ça. Bon, à Koufak. Comme il s'est mort. Les jardins d'Eden, c'est pour le vivant. C'est pourquoi le Seigneur les chassa. Maintenant, aussi, il y a Israël. Maintenant, la terre d'Israël. Ça va zoomer dans mon pays du vivant. Le Seigneur l'appelle aussi le pays du vivant. Il y a un autre personne qui va témoigner. C'est pourquoi nous allions donner le témoignage. Et ceux qui ont mis dans le pays, il y a Israël. Si tu sors du pays d'Israël, au-delà de la frontière d'Israël. Le pays au-delà des frontières du pays d'Israël. Les élèves au Bémama sépulcre. Étaient appelés les sépulcres dans Kunda. Là, tout le monde dit Ézéchiel 37 dans Kolobana. Là, nous avions pris Ézéchiel 37 dans notre exposé. Son côté à partir du verset 13. Si tu lis à partir du verset 13. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. La même de l'éternel fils et moi. Le bon connaît Ézéchiel 37. Et l'éternel me transporta en esprit. Et Yahweh me maquina et Yahweh me déposa dans des milliers de la vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Et voici. Ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, Christelot, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu.
Il me dit, prophétise ces hommes. Et tu n'es pas de ses chers. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel Yahweh a ses eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai les peaux. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que je vais réciter. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici. Il suffit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé. Et voici. Il leur vint de nerfs. La chair, l'huile et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Ainsi, l'Éternel, Yahweh, esprit vient des quatre vents, souffle sur ses membres. Et qu'il revienne. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. De vos épines. Oh mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Donc, donc, lorsqu'il a fait sortir de ses épines, que le mineur retourne la vie, il faut que ça va en boca à bon moment. Il doit le ramener dans le pays. Donc, ma sépine présente ma Babylone, ma Assyrie. Donc, ma territoire, mes amis, Banda Israël, on est ma sépulcre. Donc, les sépulcres sont comme le pays de Babylone, assuré tout le pays en dehors des frontières du pays d'Israël. Mais terre d'Israël. Mais la terre d'Israël. Oh, le Seigneur a fait Seigneur Abraham. Que le Seigneur avait réalisé Abraham. Il y a mon pays de vivant. Et c'est ça le pays de vivant. Amen. Maintenant, cette terre-là. Maintenant, cette terre, bien aimé. Josué avant de posséder terre. Josué avant qu'il puisse la posséder. A. Il m'a dit qu'il m'a fait sa sept tribus. Il avait envoyé les espions. Donc, il a dit trois dans chaque tribu. Il avait envoyé trois espions par tribu. Nakati à terre pour ne pas parcourir territoire à sept pas. Pour parcourir le territoire. Bako Kapoyan a mis en Josué 18. Afin qu'il puisse amener le territoire. Verset 4. Josué 18. Choisissez trois hommes par tribu. Et je les ferai partir. Ils se leveront. Parcourront le pays. Traceront un plan en vue du partage. Et
tia mboka na kati ya puna kamuka kapo pona okomulango et reviendront près de moi. Ils les diviseront en sept parts. Judas restera dans ses limites. Ovidi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Donc, Bakéi, Pona, Ko, Zouamboka, Kokata, Mboka, Bité, Limité, diviser le pays en partie. Et Zanéye, Batouya, service foncier, Basaraka. C'est comme font les gens du cadastre. C'est ceux qui font les lotissements de terrain. Ah, et verset 8. Le verset 8. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, j'aime respecter le langage que la Bible parle. Même si d'autres avaient reçu le terrain ou les territoires avant, Dieu est prophète. Ça passe à vous. C'est comme Abel Adamabele, Nios, on a comme aussi à Canaan. C'est comme il appelle toute la terre aussi du nord de Canaan. Abel Adamabele, ça n'a pas embatté. Ce n'est pas en vain, bien-aimé. Pourtant, vous, Charles, Akendaki, comme on a Moulumbo, Naé. Parce que lorsque Charles avait vu la nudité de son père, a maudit ce qui m'a Charles. Il avait maudit le fils de Charles. Donc c'est le fils de Cham qui a porté toute la malédiction. Mais tu es lui un homme qui malédiction à quoi? Mais nous savons celui qui avait porté la malédiction. C'est Jésus-Christ. Les âmes sont Christ. Un héritage. Mais c'est lui votre héritage. Mon Dieu qui compte pas du roi. Mais il commence à dire qu'il a mon ami à part. Mais un héritage. Mais c'est lui votre héritage. C'est exactement moi la Cham comme on est Cana. C'est exactement le fils de Cham qui s'appelait Cana. Azalaki. Place dans la chambre, à cet endroit la chambre, à taille ça va tous les prophètes. C'est l'image de tous les prophètes de l'ancienne alliance. Parce que ma prophète ancienne alliance va faire ça aussi comme père. Parce que tous les prophètes de l'ancienne alliance représentent les pères. Dans la paix. Le temps du père. Bah, on est basé dans le conseil de Dieu. Ce sont eux qui assistaient dans le conseil de Dieu. Bah, on a nudité à Noé. Et ils voyaient la nudité de Noé. Bah, on va annoncer. Et ils venaient les annoncer au peuple. C'est tout un enseignement. Et ça a été à mon alors, il faut que Baboïke. Donc il faut que tu comprennes ceci. Les pays est appelé Kana. Moka Mobinami Kana. Ça c'est donc des promesses de la vie. Walisali Bilaka Yabibia. Pour le matin, Kano est un parmi toutes ces villes parmi les autres villes. Ne dis pas que Kana c'est seulement. Et donc, Isaac va être élu parmi les autres villes. C'est seulement une partie parmi les autres villes. Mais ma bénédiction sur Israël prophétiquement et Béga Magana Kongoya Kana. Mais toute la terre d'Israël prophétiquement est appelée aussi le nom de Kana. C'est à cause que les Kambos Zambasaraki Nanda Kouyakoui. C'est à cause de ce que le Seigneur avait fait dans la vie. Les Alokola Awa, les autres ont reçu déjà des parts. C'est comme ici, les autres tribus avaient déjà reçu leur part. Parce que Mazalaka. Parce qu'ils sont au nombre de 12. Maintenant, sept tribus. Maintenant, ici, il restait 7 tribus. Dieu avait une prophétie. Sa père, ça l'a dit, il s'a coué. Dans la bouche de Josué, à Béni Yango, il l'a appelé diviser les pays en sept parts. Il faut respecter les paroles de la Bible. Et c'est bien que tout se levait la Bible. Avant de l'obéir, il y a encore pays. Il a son langage qu'il appelle. Dieu bénisse. Amen. Il a monté. Attends ici. Awa. Il a montré ici. Vous donc, verset 6. Il y a Josué 18. Le verset 6. Vous donc, vous tracerez un plan typé. Donc, quand on dit typé, en sait pas. Donc, quand on parle du pays divisé, et vous me la porterez. Je jeterai pour vous le sort devant l'Éternel, n'importe quoi.
au verset 9. Vous prenez le verset 9. Ces hommes partis parcourir les pays et entracèrent d'après les villes un plan à cette barre. Dans cette ville. Et il révèle auprès de Josué dans les camps à Silo. Après remarquer, ici nous remarquons, le pays est devenu livre. Le pays est devenu tout un livre. Nous regardons là. Nous nous faisons bien. Pays, on a appelé le pays des vivants. Ce pays-là qu'on a appelé le pays des vivants est commis tout un livre. Est devenu tout un livre. Et commis dans la main de Josué. Et devenu dans la main de Josué. Quand nous battions à cette part, lorsqu'on a divisé en cette part, c'est pourquoi nous avons appris Jésus chapitre 1. Juge chapitre 1er. Tapazoloka qui doit ouvrir, qui doit monter les premiers. Lorsqu'on posait la question qui montera le premier pour la bataille. Toujours qui fait cette écriture. On avait pris cette écriture, bien aimé. Verset 1, Tina 3. Le verset. Après la mort de Josué, chapitre 1. Nasimaliwa na Yoshua. Les enfants d'Israël considèrent l'Éternel en disant. Qui ne nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Nous en avons là. Amen. L'Éternel répondit, je te monterai. Yahweh a tout lieu d'accomplir. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Tala n'a pas dit beaucoup de la mabokuna. Dans tout temps pour la vie totale ici. Lorsque Yahweh a appelé Apocalypse 5. Et c'est ça le même Apocalypse. Dans l'Inde vient à lui. Lorsque l'Inde vient à poser. Les lions des tribus de Juda a vaincu. Il a dit qu'aussi il y a eu la longue vie. Pour ouvrir les livres. Pour la confondre la coupe. Parce que ma bénévole a dit à mon livre dans Jésus 18. Parce que c'est cette pierre, c'est ça le livre de Jésus 18. Maintenant, c'est le Juda monté. Juda a commandé. Mais ce qu'on remarquait, à la Juda qui est dans la Siméon. Mais vous remarquez que Juda avait pris Siméon avec lui. Pour la ligne totale, c'est qu'il pourquoi? Vous remarquez que dans Josué 19, ça avait critiqué déjà tout le monde qui a mon dit. Vous allez remarquer dans Josué 19 parce qu'on l'avait déjà dit au début. Verset 1. Le verset 1. Dans verset 9. Et au verset 9. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. La seconde part échit par le sort à Siméon. Et dernier, il a dit à Siméon. À la tribu de Siméon. Dans l'hypothèse, il n'y a pas de Siméon. Fils de Siméon, selon leur famille, leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Alors, tant qu'on a dit verset 9, le verset 9, l'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda. Donc, tous une dit, le pape. Donc prenons par exemple toute notre parcelle de l'église, c'est comme l'héritage de Juda. Maintenant, une portion de notre parcelle a été donnée à Siméon. Siméon avait donc Siméon avait hérité dans Juda. Or Jacob a nommé Juda lion. Or Jacob appelle Juda le lion. Donc c'est que Siméon avait la carte à lion. C'est là où Siméon était dans le lion. Il y a moins au moins, hein? C'est pourquoi tu as Samson à beaucoup de lion. Lorsque Samson avait tué le lion, ils avaient un miel qu'on eu après quelques jours et un écobina. Il y avait du miel qui était sorti après quelques jours. Et puis après cette énigme. Et puis il avait donné une énigme. Et ceux qui mangent. Na oyo aliaka. Et sorti ceux qui se mangent. Et qui n'y a pas aliaka. Dit fort et sorti les deux. Des lions et sorti l'animal. Nakati a considéré moi dans pâté. Il y a mon étonnement dans l'Apocalypse 5. C'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse 5. L'étonnement dans l'Apocalypse 5, l'Apocalypse 5, déjà ça l'a dit classe. On voit les choses qui sont dans l'Apocalypse 5 qui étaient déjà classées bien dans l'ombre. D'abord, pour comprendre que. D'abord, nous avons compris. Ma belle Oyoyo, Abraham, Azoaki. La terre d'Abraham avait reçu.
Israël Mais comment est-ce qu'Israël demeure sur dans cette terre? Sokat aussi. Si il obéit à Abraham. Quand on avait dit Adam. Seulement comme on avait dit Adam. Sokat aussi. Si il obéit. Il va demeurer dans le jardin. Parce qu'ils ont terre de vivant. Oui, tes amis m'appellent là dans ton nom. C'est un livre. Ils appellent pour mon vivant. Nous allons la voir. Amen. Et quand on a soumouki, Azani, Bandaya, livre, on est à terre de vivant. Et lorsqu'il a péché, il s'est retrouvé en dehors du livre. Donc on dit clairement. On a vu clairement. Le Seigneur a placé le chérubin pour barrer le chemin. Dans le livre qu'on est fermé. Donc cet ami, le livre fut fermé. Lorsqu'il a chassé dans sa livre, il y a pas de beaucoup pour quand. Parce que la terre de vivant, c'est un livre. Parce que la terre de vivant est un livre. Et à savoir ça, on peut Israël. Et il est fait aussi à Israël. Je ne pas désobéir. Si Israël désobéit, à ton cité, il n'a pas chassé la terre de vivant, les chasser de la terre. Dans la bémanie, lorsqu'il les chasse, l'âme qui pêche, celle qui mourra. On les pose sous le panier de Koufaka. Donc on a bémanie, c'est pas Koufi. Donc il a chassé Israël. Il a laissé l'Ézéchiel 37. Il a montré l'Ézéchiel 37 qui est au pays dans la sépulture. Donc Israël s'est rendu dans le sépulcre. Tout ce qu'on a mal, on s'est fait comprendre. Là, la terre est fermée. Voilà ma terre. Les livres fermés. Beaucoup scellés. Mais ni de vos que livre pour moi. Maintenant, qu'est-ce qui fera que les livres puissent être ouverts? D'abord, Yango. Ni de ça que les livres fermés. Qu'est-ce qui a fait que les livres soient fermés? Livre ou la terre. Beaucoup de ma belle. Ni de ça que les qu'est-ce qui a fait qu'elle soit scellée? Désobéissance. Et ça, vous en avez tous. Vous en avez tous déjà. Donc, c'est par la désobéissance que le jardin fut fermé. Et tant que nous avons un jardin. Et lorsqu'on voit le jardin, Moïse n'a pas joué. Lorsque Moïse chantait, a zoomé ma mabélé Moïse pour qu'il y ait un jardin, il appelle le pays semblable au jardin. Dans Exode chapitre 15, dans Exode 15, pour pas qu'il y ait encore, nous le lisons, bien aimé. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Verset 19. Même 17. 17. Amen. Exode 15, le verset 17. Nous lisons dans les versets. Amen. Qui les emmènera et qui les établira sur la montagne? Au commémorat de la montagne, au commémorat de la montagne, de ton héritage. Moïse a mon égard prophétiquement que c'est une montagne. Moïse prophétiquement l'avait vu comme une montagne. Alors, il a dit que tant le Seigneur a délivré le peuple, lorsque le Seigneur délivre le peuple, de l'Égypte, des Nazoréens, quand il chantait ici, a dit Seigneur, on a besoin que nous tiens dans la montagne héritage. Seigneur, tu as besoin d'aller les établir sur la montagne de ton héritage. Oh, la montagne veut dire pouvoir, royauté. Or, la montagne veut dire le pouvoir, la royauté pour continuer. L'autorité de Bukoti par là, Nawana, le colama, mais il y a un autre message qui apparaît. Comme la terre que le Seigneur avait donnée à Abraham, Moïse a fait la montagne de ton héritage. Moïse t'appelle comme la montagne de ton héritage. Et cette terre, c'est tout tes livres. Et les livres, ça, c'est les camps. Peuple désobéi. Et les livres, c'est Lorsque le Seigneur a chassé Adam, Isaac et Nana, pas de la montagne. C'est-à-dire,
pouvoir. Il avait le pouvoir. Si les oiseaux disaient, Nicolas m'a dit si la bête, si les bêtes, Nicolas m'a dit si tout bête, Nicolas, vous avez un pouvoir, les amis. Avoir le pouvoir. Être comme moi. Et ça, vous allez encore mon côté. La montagne. Vous allez encore mon bas. Voilà pourquoi Dieu. Voilà pourquoi Dieu. Nous avons comparé d'abord jardin d'Eden. Il compare le jardin d'Eden. La montagne de Sinaï. À la montagne de Sinaï. Amen. Quand nous ayons mis Israël Exode 19. Lorsqu'il a dit à Israël dans Exode 19, ayez mis Moïse. Il a dit à Moïse. Ayez mis ça, maman. Dis-leur. Mon côté m'attend à mon. Que personne n'ose monter sur la montagne. Il a placé les limites. Il a dit, trace les limites. C'est extrêmement le jardin de Jacob. C'est extrêmement la fermeture qui change. Cette montagne-là, c'est tout tes livres. Ngombawana et Zali Kukumobima. C'est tout tes livres. Et ça, Kukumobima va les scellé montagne. Mais la montagne fut scellée par des limites. Il y a eu des tonnerres. Et il y a eu des éclairs. Éclairs. Le signe de la colère de Dieu. Maintenant, ton rôle, qui peut ouvrir ses seaux? Maintenant, on peut parler, on peut se poser la question. N'allez pas pour qui vous faut la bandana. Et tu as dit du saut. C'est là que nous avons poussé. Ton monde a gué. Le voir. Zambé a permis qu'il n'a pas d'adoration sur cette montagne. Le Seigneur n'avait pas donc, les a fermés. Permis l'adoration sur cette montagne parce que. Quand Israël a dit la première année. Lorsqu'Israël est sorti dans la première année. Exode chapitre 12, ils ont dit ça pour que Tamba Bibi Zamba Bissi. Avant Babima, Tamba Sali, l'agneau qui sacrifie sa gnome. Et avant de sortir, lorsqu'ils ont immolé l'agneau, Zamba Bima, qui c'est ça, le premier mot. Le Seigneur a dit que c'est moi ici, c'est votre premier année. De l'année. Donc, Tamba Bibi, Babi Tamba, lorsqu'ils sont sortis, ils sont entrés dans la marche. Bakuma na Sinaï, la troisième mois. Ils sont arrivés à la montagne de Sinaï au troisième mois. Après ce qui dit non, Exode 19. Je vous avais donné Exode 19. Verset 1. Le verset 1. Nous lisons dans le Jésus-Christ. C'est terminé la combinaison. Les troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte. Ça termine ça, ton assimakoni malabamou n'a pas pays. Les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert de Sinaï. Bana Israël, comment qui, Mokoloana, n'a dit sauté à Sinaï. Ils arrivent au troisième mois. C'était au troisième mois. Étant parti de Réfidim. Ils arrivaient au désert de Sinaï. Et ils campèrent dans le désert. Ils n'allaient pas là. Vis-à-vis de la montagne. Ils avaient dit la troisième année, troisième mois, la première année. Donc c'était au troisième mois de leur première année après leur sortie d'Égypte. En ce temps-là, Zabalobi Boé. Le Seigneur a dit ceci. Verset 3. Le verset 3. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. En disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur les ailes. Et ramenez vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Vous serez. Il est dit au troisième. Et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint, appela les anciens du peuple. Et il mit devant eux toutes ces paroles. Comme l'Éternel lui avait ordonné. Et promesse. Le Seigneur leur a donné la promesse. Ce qui pour si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, au Kozara,
vous serez au royaume de Mais quelques jours, moi. Mais seulement ce même jour. Aïe. Exode toujours 19. Il vient toujours dans Exode 19. Pour suivre verset 24. Le verset 24. Nazuit 23 dans 24. Le verset 23 et 24. Bon, la gana, madame. Suivez-moi attentivement. Moïse dit à l'Éternel. Moïse à l'obéi na Yahweh. Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne. Car tu nous en as fait la défense expresse. En disant, fixe les limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron. Si maman Aaron, Aaron a oiseau m'attendait comme sacrifice. Aaron de ses vêtements sacrés.
Même si elle croit en Jésus, elle
la loi. Elle est zélée pour la loi de Moïse. Vous suivez comme les choses étaient au début. Tant que ma pierre va monter. Lorsque le pied approche la parole. Parce que toutes les villes, il y avait des anciens qui étaient là. Selon la loi, pour la mise en mauvais. La monde qui coupait ça, ligne à enseignement à vie. C'était eux qui donnaient la ligne de la ma vie, les amis. Comme il y avait plusieurs villes en Israël. Ma nous ne va pas résoudre à mon attente. Les choses n'étaient pas. Nous ne sommes pas des solutions là-bas dans le temple. Nous sommes avant, mais on n'a pas ancien. Il y a d'autres choses qu'on a menées chez les anciens. Vous à pour résoudre et les anciens perdent une solution. Et puis ils obtiennent des solutions. Bah, ça va être ma chef du peuple. Ici, le chef du peuple dans la vie. Son carbone est monté. Si cet ancien a servi, a mis l'enseignement à Pierre et à Pierre. Comme à l'enseignement des apôtres. À Colombo, l'ancien a été. Il ne va pas se dépouiller de son enseignement du peuple. À commander ma part là. On va être abusé par le peuple. À Zana, à l'église à Jérusalem. Il est dans l'église comme Marc. Lorsque nous avons écrit concernant les conditions ou bien évêque ancien ou diable, il peut simplement en dignité, qu'il ne soit pas adonné, on va couper sa vie limitée dans ma parole. Il savait que ces lettres aussi parviendront aux juifs. Oh, bah, juifs, fais à la vie de bénédiction. Parce que les juifs peuvent considérer les vêtements comme une bénédiction. Ils s'attirent maintenant pas. Pas une malédiction maintenant pour les enseignants. Il faut faire très attention à l'être du frère Paul. Azoïe dit à Timothée, il dit à Timothée, dans l'église d'Éphèse, dans l'église d'Éphèse, n'a tiquio mana, je t'ai laissé là. Oh, quoi, pour ça, la macamoussous, oh, y'en a les saliminantes. Oh, régulariser macamoussous. Pour mettre en ordre ce qui reste à mettre en ordre. Ce qui vous a séparé, comme ancien, si quelqu'un aspire à la charge de l'Éphèse, à désirer le pomoko, il y a qui tombe. Selon la loi, selon la loi, selon la loi.
Pa, pa, ka. Bon, pa, ka, manzan, pa, ka, manzan, pa, 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 pa
Kamata. Les anciens qu'on avait interdit de monter sur la montagne, ici on les a permis de monter. Et vous vous prosternerez de loin. Et puis nous recommandons à la main à nos cinq ans. Ça va très bien. Le Seigneur est merveilleux. J'aime Dieu. La nuit d'Akanta. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. La dame là, écoute bien. Moïse écrivit Mose akomaki toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. La boucle de tombe au matin. Awa wa pongi mokweza. Ici il y a un sommeil. Matamanza. Seigneur, merci pour ce message. Merci Seigneur parce que tu nous as donné la parole. C'est pas la grâce. C'est pas la grâce. Donc, et
Dieu bénisse. Amen. Et que vraiment la grâce du Seigneur les a décollés dans mon corps. Et que la grâce du Seigneur soit sur vous, tes chers. Dans les appâts, pour la haine, ils ont pensé que là aussi, pour la vie, sont pour la vie. Et le Seigneur, qui est pour la langue de Dieu, pour ça, nous, on a pu savoir, on va me bénir à pour ça, pour la vie. Nous sommes d'abord dans les services ici, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est là toujours le programme, Oyoyo, Baninga, le ministre, va s'opérer. Selon les programmes que le collègue ministre donne. Mais c'est que le Seigneur t'a appelé à vivre en paix. Mais tu dois savoir que le Seigneur t'a appelé à vivre en paix. Ou vivre en paix avec sa parole. Vivre en paix avec sa parole. Et si Kaisamalam te bongi sa pose à Manaza. Là où tu n'es pas en harmonie avec la parole, arrange parce que tu es un enfant de Dieu. Ton cœur connaît. Monte pas l'œil du malade. Aux années. Tu appartiens à Dieu. Bonne résistance à Bête. Ne résiste pas, le Seigneur. Il faut monter maintenant et ne palper richesse. Il faut que ton cœur désire palper la richesse de Dieu. Oyo Kanaka Tenayo, pour ça, que tu sens en toi vraiment le désir. Seigneur, n'a dit que la Bobo tient la Katina. Seigneur, que je vive les richesses que tu as dans mon amour. La Kinga, Yambo, il est à l'île. Je vois vraiment la bonté que tu m'avais préparée avant la fondation. Oui, Zamba, pour qui oui, le Seigneur t'avait préparé les choses avant ta naissance. Avant même de la famille. Avant que tu connaisses ton passé. Le Seigneur t'avait déjà connu bien avant. Avant que tu ne viennes le connaître, qu'aujourd'hui tu seras là. Zambaye Bignon. Le Seigneur connaît toi même bien. C'est nous qui ne savons rien. Quand on continue la parole, lorsque tu entres dans la parole, c'est la grâce du Seigneur. C'est le Seigneur qui a accepté. Il nous a accueillis dans nos péchés. On ne lui avait rien fait de mal. Mais c'est lui qui nous a aimés. Il avait accepté de nous sauter les vêtements. Il faut que ton mérité sanité. Il faut savoir que nous ne méritons pas de ça. Mais c'est la grâce. Les amours. Les amours. Tu peux raconter à celui qui n'a jamais vu. Tu vois la
pastor a envoyé à cet endroit. Oui, parce que tu arrives directement près de le Cameroun. Après, va passer. Viens, M. Chantemar. C'est comme ça notre signe longue. Pepe, Nyon, Sermon, Nyon,
miséricorde, te pécheur merci. Seigneur, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as fait du bien dans toutes ces étapes. Ton tante dit mon aile n'a pas de l'eau parce que vous avez des appels à mouillard. Nous faisons la grande étape parce que nous avons des appels à mouillard.